Martin Girodi. Après 7 ans d'attente, les citadins ont été appelés aux urnes ce dimanche 9 décembre. Cependant, ce scrutin a été marqué par un faible taux de participation. À 15h, soit à 3h de la fermeture des bureaux de vote, 111 226 électeurs sur les 385 292 inscrits avaient accompli leur devoir civique, ce qui représente un taux de participation de 28,97%. C'est à 4 bandes qu'on avait enregistré le plus fort taux de participation, soit 31,71%. À 15h, le pourcentage dans les 4 autres villes était comme suit: Vaquois 31,03%, Cuerpip 29,67%, Port-Louis 26,94% et Beaubassin-Rosil 26,62%. 356 candidats, dont une centaine de femmes, sont en lice pour 90 sièges à pourvoir dans les 30 arrondissements des 5 villes du pays. Les électeurs doivent élire 3 conseillers dans chaque arrondissement. Nous vous proposons à présent une vidéo pour vous faire vivre l'ambiance qui a prévalu dans quelques centres de vote et rues de la capitale. Je suis attendu devant déjeuner, ma famille, voilà. La musique fond, ouais. On est au dessus. Si vous êtes capable, nous ne pas avec. C'est nous qui étions là. Il va tenir à toi. Il va faire un peu de temps. Il fait la base, mais il va venir pour le mettre sur le bas. Je félicite sécurité la police, je félicite les journalistes qui peuvent couvrir un petit peu partout, je félicite la population aussi, et particulièrement qui réellement peut donner une preuve d'une compréhension, malgré ce pays abstenir, mais seulement une compréhension extraordinaire dans la population.